stratégie, une ligne droite. Vraiment, c'était satisfaisant, c'était un joli combat. Quand vous dites belle boxe, ça se voit à quoi? Ah, c'est, je veux dire, c'est technique, quoi. Moi aussi, avec la technique, bien sûr, mais aussi avec beaucoup de... Voilà, j'étais un petit peu aussi un bagarreur. Et puis ça, souvent, les combats, ils sont un petit peu moins jolis, peut-être. Hein. Mais vraiment, elle a eu la bonne distance, elle a pris les pas en arrière et tout. Et puis, c'est là qu'on peut vraiment voir, elle a pu donner les directs, les jolis coups de poing. Et puis, c'est ça que je dis, la belle boxe, vraiment technique. Quelques mots sur elle. Hein. Elle revient à la compétition après 8 ans d'absence. Vous la connaissez, Olivia Boduma. C'est vraiment une force de caractère impressionnante. Ah, mais là, je pense, de toute façon, si on regarde la famille, Mohamed Bouazem, l'épouse, je me suis beaucoup entraîné avec lui, on s'est aidé dans nos combats. Et puis là, vraiment, si on regarde toute la famille, il y a beaucoup de volonté, aussi qu'ils ont un enfant, ça, c'est pas un secret, ils ont un enfant handicapé qui a besoin de beaucoup de temps. Et puis là, on voit vraiment qu'ils ont de la force. Ils ont de la force mentale, et puis ça, on voit aussi sur le ring, on revoit les meilleurs extraits du combat d'Olivia Boduma. C'était tout à l'heure, il y a quelques minutes, face à la hongroise Bianca Mailat, ici avec les gants bleus. Les meilleurs moments, vraiment, hein, durant vraiment. Tout le combat, elle a géré exactement. Et puis là, on voit bien une directe super sans la chercher directement, tac, elle vient, elle esquive, elle évite les coups. Alors vraiment, c'est joli à voir. Et puis vraiment, les deux boxeuses, bon, l'angoisse, elle est un petit peu moins technique, moins jolie pour regarder, mais vraiment, la belle distance, ils se tiennent pas, vraiment, c'est joli à regarder. C'est très stratégique. Justement, quand vous dites vous étiez plus bagarreur, c'est que vous alliez plus au corps à corps. Voilà, j'allais en avant. Voilà, ouais. Exactement. Bon, c'était pas toujours comme ça. Hein. On a commencé à changer le style parce que j'étais un petit peu petit. D'accord. Après, on était en Amérique et tout. Et on a laissé venir un entraîneur américain chez nous qui s'est entraîné avec Tyson. Et puis, on voulait faire ce style, quoi. C'est pour ça que.